Nous sommes en 613, en Gaule, dans le royaume des Francs du roi Clotaire II. Après une guerre civile de plus de 50 ans, entre l'Austrasie et la Neustrie, l'arrière-petit-fils de Clovis réunifie enfin le royaume. Le travail qui l'attend est immense, le mérovingien doit rassurer la population, encore sous le choc, il doit continuer les réformes lancées par la reine Brunehaut, et il doit restaurer la confiance dans l'autorité royale. De plus, le royaume franc évolue dans un monde en plein bouleversement, car à l'est, les Romains d'Orient sont au bord de la catastrophe. En effet, après une brillante phase de reconquête menée par l'empereur Justinien, la peste ravage son économie et sa démographie. Il n'en fallait pas moins pour les Lombards, tout droit sortis des forêts de Germanie, pour envahir la plaine du Pô et s'établir en Italie. Plus loin, sur le Danube, les Slaves en profitent pour investir la région des Balkans et la pille de fond en comble. Enfin, en Orient, les Perses ont repris les armes et menacent les terres les plus riches de Constantinople. Bref, la guerre et encore la guerre, les Romains ne sont plus assez nombreux pour se défendre sur tous les fronts. Dans ce contexte, personne n'avait vu venir la nouvelle menace qui déferle depuis l'Arabie. Pourtant, ces soldats qui ne jurent que par un seul dieu, Allah, et par son prophète Mahomet, vont changer le cours de l'histoire. Si vous aimez l'histoire, celle des grands personnages, grands militaires ou grands réformateurs, vous aurez toujours remarqué qu'il ou elle se distingue par des ornements, des parures et des vêtements qui les rendent incomparables. C'est tout l'objet, bien sûr, de notre sponsor du jour, Holskern, qui vous offre des montres et des bijoux de grande qualité, fabriqués à l'ancienne avec des matériaux purs. Pour nous, fans de reconstitution, c'est une véritable aubaine d'avoir des produits en bois, travaillés à la main et décorés avec simplicité. Les objets se fondent parfaitement avec nos costumes, comme les robes versaillaises, ou avec nos équipements, comme les mousquets de cavalerie. Taillés dans la pierre, comme le marbre bleu ou le marbre vert, et dans les arbres comme le chêne, le noyer ou le koa, ces montres et ces bijoux nous connectent autant à l'histoire qu'ils nous ramènent vers la nature. À titre personnel, j'ai beaucoup aimé ces produits à la fois simples et fabriqués avec des matériaux naturels. En plus, ils sont livrés dans de superbes boîtes qui sont pratiques pour le rangement. Alors vous aussi, essayez les montres et les bijoux de notre partenaire, Holskern. Découvrez une gamme pour hommes, une gamme pour femmes, ainsi que des objets tout public. Profitez de 15% de réduction avec le code BATAILLE15. Pour vous, ou pour offrir à vos proches, cliquez sur le lien juste en bas de la vidéo et accédez au catalogue. Bonne vidéo avec les montres et les bijoux Holskern, et merci à eux d'avoir rendu possible cet épisode. En 613, quand Clotaire II prend le pouvoir, la Gaule est ravagée par 50 ans de guerre civile. Comme les Mérovingiens passent leur temps à s'entretuer, les aristocraties locales, propriétaires terriens, hommes d'église, riches marchands, issus de grandes familles, prennent le relais de l'État pour assurer la sécurité des habitants. Vu dans l'épisode précédent, les paysans, artisans et petits commerçants ne peuvent plus compter sur la protection de la justice. En cas de problème, il faut chercher de l'aide chez le seigneur local. En 614, Clotaire II poursuit donc les efforts de la reine Brunehaut qui avait tenté de réagir face à la perte d'influence de l'État. D'abord, par un édit daté du 18 octobre, le roi promet de rétablir la paix et de réprimer les insolences des méchants. Entendez par là, mettre fin à la loi du plus fort, au vol et aux abus des seigneurs. Ensuite, avec le soutien de l'Église qui gouverne avec Clotaire, le texte donne aux évêques le droit de destituer les mauvais juges, sous-entendu les corrompus qui auraient des partis pris lors des procès. Enfin, l'édit confirme que les femmes n'ont pas à être mariées de force et que les juifs sont exclus des fonctions militaires. Maintenant, si l'édit de 614 montre que les reines et les rois mérovingiens tentent de reprendre la main, ont-ils réellement les moyens de leurs ambitions? Le problème, c'est que pendant la guerre civile, les rois et les régentes ont gouverné avec des maires du palais. La fonction, au départ une sorte de gestionnaire de la maison royale, s'est transformée en un véritable ministère des affaires du royaume. Très important, le poste est réservé aux plus ambitieux des plus grandes familles de la région, qui font tout pour se rendre indispensables. Lorsque Clotaire II réunifie le royaume, les maires du palais ne veulent pas rendre leurs privilèges. Trois mairies sont donc maintenues en place, ce qui affaiblit le pouvoir du roi. De plus, les Gaillets Francs, qui assuraient jadis la protection des Mérovingiens, se sont mélangés à la population. Par mesure de simplicité, on ne parle plus de Gallo-Romains, mais de peuple franc, au pluriel, comme si la distinction entre le Gaulois et le Germanique avait disparu. Dans ce contexte, chacun s'identifie à sa province, à son seigneur et à son église, si bien qu'il est difficile pour le roi de contrôler tout le monde. Bref,
Le royaume franc, divisé en trois, n'a plus rien à voir avec la Gaule romaine. De toute façon, les Romains sont bien trop faibles pour avoir une quelconque influence sur leur ancien territoire. En effet, pendant que les Francs se livraient à la fête royale, Constantinople traversait une période très difficile. La peste a ravagé sa démographie, les Lombards ont envahi l'Italie, les Slaves ont investi les Balkans. Pire, les Perses en ont profité pour avancer jusqu'à la ville d'Antioche, qui s'est faite saccager en 540. Humilié, Constantinople s'est rattrapé en conquérant l'Arménie, mais, en 613, l'envahisseur s'est enfoncé jusqu'en Syrie et a tout ravagé sur son passage. Lors du sac de Jérusalem, la Sainte Croix, sur laquelle Jésus-Christ aurait été crucifié, est emportée en guise de butin par les Perses. En 620, les Sassanides continuent sur leur lancée. D'abord au sud, en Égypte, puis au nord jusqu'à Constantinople, qui est même assiégée par l'envahisseur. Les Romains sont donc sur le point de s'effondrer, quand soudain, un nouvel empereur du nom d'Héraclius renverse complètement la situation. Au prix d'un effort de guerre colossal, et grâce au soutien de l'Église qui mobilise la population, les frontières sont rétablies en 628. Mieux, les armées romaines contre-attaquent le long du Tigre, la Mésopotamie est pillée de fond en comble, et l'empereur peut rapporter la Sainte Croix à Jérusalem. Avec tous ces problèmes, le lien politique et militaire entre Mérovingiens et Empire d'Orient s'est effacé progressivement. Non seulement les Orientaux sont occupés ailleurs, mais surtout, la division du royaume franc rend difficile le maintien de relations durables. Par exemple, en 638, quand le roi Dagobert rend son dernier souffle, ses fils, Clovis II et Sigebert III, se partagent l'héritage. Il y a donc trois royaumes, avec leur maire du palais, qui gère les affaires courantes, et seulement deux rois, ce qui complexifie la situation. Et comme la loi salique est toujours en vigueur, les Mérovingiens devront encore se partager le territoire ou s'entretuer pour simplifier la succession. Un contexte favorable à la montée en puissance des maires du palais, qui s'affirme de plus en plus. Seulement, alors que les Francs sont occupés dans leurs affaires internes et que les Romains sortent à genoux de leur conflit avec les Perses, personne ne prête attention à un nouveau danger venu d'Arabie. Pourtant, dans les années 630, une nouvelle armée sortie de nulle part attaque la ville de Damas en Syrie. Bien sûr, Héraclius envoie des soldats pour la repousser, mais en 636, lors de la bataille du Yarmouk, l'affrontement tourne en défaveur des Romains. Constantinople, déjà ruinée, n'a pas les moyens d'envoyer du renfort, si bien que toute la région est en alerte. En 636 après Jésus-Christ, une armée venue des confins d'Arabie met en déroute l'armée romaine venue la repousser. Devant la force et la rapidité de l'envahisseur, une question vient à l'esprit des Orientaux. Mais qui sont ces soldats se réclamant d'un seul dieu, Allah, et de son prophète Mahomet? Pour comprendre, tentons de revenir un peu en arrière. En 610, soit 26 ans avant la bataille du Yarmouk, un homme du nom de Mahomet, originaire de La Mecque, dans la région du Hedjaz, aurait reçu un message de la part de l'ange Gabriel. Quand il revient dans sa ville, Mahomet se met à prêcher un nouveau culte qu'il appelle Islam, littéralement la soumission aux ordres de Dieu. Seulement, sa parole dérange les autorités qui le voient non pas comme un prophète, mais comme un perturbateur. En effet, la péninsule est dépendante du commerce et les dirigeants locaux n'ont pas envie de voir le désordre s'installer. À l'époque, La Mecque est en plein milieu d'une route marchande très importante entre le Himyar, très riche et très fertile, et l'Empire romain d'Orient, la grande puissance maritime. Elle est bien placée, également, pour exporter ses produits vers la Perse, tout comme elle accueille des marchands indiens ou égyptiens venus par la mer. Dans toute la région, la vie s'organise autour des échanges et des pèlerinages qui transitent à dos de chameau sur les routes. Les habitants, qu'on appelle généralement les Bédouins, assurent la sécurité de ces caravanes et s'enrichissent grâce à elles. Alors, devant le succès de Mahomet qui remet en cause les croyances traditionnelles, quelle peut être la réaction des dirigeants locaux? Forcément, le prophète est banni de la Mecque en 622 et doit partir pour l'oasis de Yathrib, aujourd'hui Médine. L'événement, qu'on appelle l'Hégire en français ou Hijra en arabe, provoque un afflux de fidèles qui accourent au secours de Mahomet. La situation finit par dégénérer. Comme le prophète contrôle désormais les passages de caravanes sur la route marchande, les dirigeants de la Mecque y envoient une armée. Seulement, en 624, lors de la bataille de Badr, Mahomet sort victorieux de l'affrontement et repousse son ennemi. Désormais, les curieux de la région affluent de partout et beaucoup se convertissent au nouveau culte. En 630, Mahomet est assez puissant pour contre-attaquer et devenir le maître absolu de la Mecque. Maintenant, comment expliquer que les musulmans, c'est-à-dire ceux qui se réclament de l'islam,
ont pu devenir assez forts pour aller défier l'Empire romain. Car entre la date de la prise de la Mecque, en 630, et la bataille du Yarmouk que nous avons décrite tout à l'heure, il n'y a que 6 ans d'écoulés. 6 ans, 6 ans pour passer d'un simple groupe de fidèles à l'une des plus grandes puissances militaires de l'époque. Alors essayons, autant que cela nous est possible, d'en comprendre les raisons. Hypothèse 1, quand Mahomet s'empare de la Mecque, il unifie rapidement les tribus locales qui se convertissent à l'islam. Comme la ville est un emplacement stratégique, les Bédouins y auraient placé des arsenaux remplis d'armes en tout genre, comme des épées, des boucliers, des casques et des lances. On pense que la plupart de l'équipement est importé, mais il aurait été suffisant pour équiper toute une armée. Concernant les montures, la ville dispose sûrement de chameaux en très grand nombre, car elle est un carrefour pour les caravanes. Dans ce cas, Mahomet aurait disposé d'une chamellerie dès les premiers jours. Ainsi, en unifiant les tribus par la religion et en prélevant de l'équipement dans les arsenaux bédouins, le prophète se serait mis en position de force dans la région. Ses voisins, continuant à vivre leur vie de nomades et de marchands, n'auraient pas fait le poids face à des musulmans regroupés, organisés et en armes. Hypothèse 2, si Mahomet réussit à conquérir ses voisins, c'est peut-être parce que son armée s'inspire des Romains, dont les manuels militaires sont accessibles à l'époque. On le pense possible parce que lors du siège de Taïf, le prophète aurait usé de mangonneaux, une arme romaine, et ses soldats se seraient approchés des murs en tortue. Si c'est vrai, peut-être que les musulmans se battaient ainsi au 7e siècle. L'infanterie lourde sur le centre, qui se déplace en rang serré, et l'infanterie légère sur les côtés, qui compte de nombreux archers. En l'absence de cavalerie pour l'instant, ce sont donc les chameaux qui assurent la protection sur les flancs. Maintenant, face aux tribus d'Arabie qui se battent de façon traditionnelle, c'est un peu comme si Rome était venu frapper à leur porte. Les musulmans leur roulent dessus avec une armée disciplinée, organisée et en formation, si bien qu'en un clin d'œil, Mahomet se rend maître de la moitié de la péninsule. Hypothèse 3, pour consolider son pouvoir, le fondateur de l'islam a besoin d'argent, de beaucoup d'argent, car il faut acheter la fidélité des chefs et des grandes familles. Pour cette raison, les musulmans cherchent à contrôler les routes commerciales et défient les Perses et les Romains. Comme les deux géants sortent ruinés d'un conflit et qu'ils n'ont jamais cru à des menaces venant d'Arabie, Mahomet aurait une chance de l'emporter. Sa mort, en 632, ne met pas fin à ses ambitions qui sont confirmées par ses compagnons. D'abord, Abou Bakr lance des expéditions contre les vassaux de l'Empire perse et conquiert l'est de la péninsule. Ensuite, son successeur lance des opérations en Mésopotamie dès 634. Pris de court, les Perses ne savent même pas défendre leur capitale, dont les environs ont été ravagés par les Romains seulement 6 ans plus tôt. Inarrêtable, le calife Al-Khattab se jette alors sur la Syrie, région déjà dévastée par les Perses lors de la guerre. Damas, puis Jérusalem tombent sans coup férir, obligeant l'armée régulière à venir l'affronter, en personne, pour arrêter sa course folle. En l'an 636 après Jésus-Christ, ou en l'an 14 du calendrier musulman, les troupes du calife Al-Khattab mènent une guerre sur deux fronts. Sur deux fronts, et contre les deux géants de leur époque, les Sassanides et les Romains. Depuis Antioche, l'empereur Héraclius tente d'organiser une contre-offensive, car la région est absolument cruciale pour le commerce. Seulement, à l'approche de l'armée romaine, l'envahisseur s'est réfugié dans le défilé du Yarmouk. Qu'importe, les Orientaux se portent à leur rencontre. Personne n'imagine leur défaite face à une armée qui n'existait même pas, seulement 6 ans plus tôt. Vers le mois d'août, le général musulman Al-Walid s'est placé en position défensive. Le terrain choisi est excellent, une rivière coule juste à côté du camp, lui donnant assez d'eau potable pour tenir un long siège. Selon les informations disponibles, les flux de renforts depuis l'Arabie sont constants, ce qui forcerait les Romains à se hâter pour passer à l'attaque. De plus, les Arabes, cette fois-ci, ont pu s'acheter des chevaux en très grand nombre et ont une véritable cavalerie. Outre les troupes de choc, le calife aurait notamment des archers montés qui opèrent en soutien des archers à pied. Côté romain, l'armée régulière est composée d'Arméniens, de Grecs et de chrétiens arabes qui ont refusé la conversion. Les sources anciennes parlent de 150 000 hommes, mais les estimations récentes les ramènent plutôt à 20 ou 25 000. Fatigués, après une guerre très longue contre les Sassanides, leur morale serait bien bas, alors que celui des musulmans, qui sont au moins 20 000, n'aurait jamais été aussi élevé. Vers la mi-août, le combat commence. La première hypothèse qui expliquerait la déroute des armées romaines, c'est qu'une tempête de sable soit tombée tout à coup sur le champ de bataille. Les soldats grecs, arméniens et chrétiens arabes auraient perdu en cohésion,
Les défenseurs, bien à l'abri derrière la ligne de front, les auraient massacrés à la faveur du mauvais temps. Hypothèse 2, en fait, les Romains se seraient épuisés à force de faire tourner le dispositif ennemi. Les assauts sur la gauche et sur le centre sont des succès, mais la droite ne suit pas et ne peut anticiper la contre-attaque des cavaliers. Pendant 6 jours de combat, sous la chaleur étouffante du soleil, ces assauts et contre-assauts se répètent encore et encore. Aucun des deux camps ne semble prendre l'avantage, le général musulman Al-Walid a trop bien fortifié sa position. De l'autre côté, les orientaux ne veulent rien lâcher car c'est la sécurité de l'Empire qui est en jeu. Mais face à la détermination des soldats de l'islam, les Romains finissent par reculer et se démoralisent. Al-Walid joue alors son Vatou. D'abord, il envoie un détachement de cavaliers occuper le seul pont qui permet de traverser le Yarmouk. Ensuite, il déclenche un grand mouvement vers l'avant pour pousser l'ennemi vers la rivière. Enfin, sa réserve de cavalerie fait le tour de la ligne de front, puis affronte les cavaliers romains dans la plaine. Avec, ou sans tempête de sable, le mouvement d'Al-Walid donne la victoire aux musulmans. Ceux qui fuient sont abattus par les hommes qui occupaient le pont, ceux qui restent sont faits prisonniers ou sont exécutés par les vainqueurs. Ainsi, pendant l'été 636, une armée romaine est complètement détruite par un opposant qui n'existait même pas seulement 6 ans plus tôt. Partout, en Orient, la nouvelle agit comme un tremblement de terre. Les populations en Syrie, en Palestine et en Égypte sont désormais sans défense. Les garnisons tombent les unes après les autres et se rendent à l'envahisseur. Avec la chute de la Perse qui s'effondre en 657, les califes s'emparent de toutes les routes commerciales entre l'Inde et la Méditerranée. Alors, est-ce la chute de l'Orient et la fin des Romains tels que nous les connaissons? Comment résister à une expansion aussi rapide qu'imprévue? Les musulmans seront-ils assez confiants pour aller frapper au cœur de l'Empire? Que va-t-il se passer quand la flotte des califes atteindra les murs de Constantinople? Pour le savoir, n'hésitez pas à laisser un j'aime ou un commentaire juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer sur la chaîne. Alors à très vite pour l'épisode 5, la fin de l'expansion musulmane et le siège de Constantinople.